J'avais dit avant le coup, j'ai dit, tu la montes à la, comme ton ancien patron, comme Yves Dreux, tu la montes à long du rail et ben voilà, t'as-tu bien appris ce garçon. Voilà, je suis très content pour lui. Et concernant la jument, elle a toujours montré de la qualité, là en ce moment on peut dire que tu l'as au mieux. Oui, avec la jument, bon, franchement elle répète des bonnes courses et puis elle me fait, franchement elle s'amende très bien. Et c'est encourageant pour hier. Une course à montrer dans les écoles. Oui, c'est sûr, c'est une course où il y avait beaucoup de trains. Donc je pense que ça a l'avantage, elle l'a pas tiré. Elle était vraiment sous le bout des doigts, non, c'est bien. C'est une jument qui passe pour être délicate, donc ça rehausse la performance. Oui, c'est sûr, elle est un petit peu délicate, surtout avec le dernier tournant. Elle a un petit peu de mal, donc il ne faut pas s'affoler, mais en training droite, elle est vraiment bien prête. Ça commence bien le début de la collaboration avec Jean-Luc Dertois. Oui, c'est sûr, après, bon, bah, c'est vrai que c'est des bons chevaux. Elle avait déjà prouvé un petit peu ce qu'elle valait, mais non, elle a vraiment confirmé. La faute dans le tournant de Courtière ? Bah ouais, après je me suis retrouvé obligé d'avancer, mais il court très bien. Si j'ai un peu plus tard, peut-être qu'il m'aurait pas eu le temps de me rattraper, mais il fait sa bonne valeur. Et puis en plus, il a penché un petit peu sur pour finir, c'est mauvaise habitude ? Bah ouais, il le fait tout le temps un petit peu, comme il a du mal à tourner, on le pique un peu à gauche et il repart à droite, mais il fait sa course, on est content. La suite de son programme ? On n'a pas regardé, à mon avis, il va rester encore à la campagne un peu, puis il va monter à Grosbois pour cet hiver. On va essayer de préparer les courses au mieux, il reste mieux 2008, donc il faut qu'on vise les courses 2008, petite piste. Course parfaite pour ton cheval ? Parfaite, non, c'est pas spécialement ce qu'il préfère. Parce que c'est parti vite et il aime bien avoir un petit temps pour souffler. Et là, c'est pas facile. Amélie Grotte, t'as dû y croire ? Ben non, parce que j'avais du mal à sortir en dehors et j'étais obligée de le ramener en dedans et ça a perdu du temps. On aurait été secondes, sinon, je pense. Et à l'aube du meeting d'hiver, c'est quand même une performance qui est encourageante. Oui, mais sinon, après, voilà, il suffit de faire voir un peu. Mais... Non, c'est pas mal. Mais il est peut-être des fois aussi bien sur la grande, finalement.